Double dip all-in. Je meurs tantôt. Je pense que ça va être une journée vraiment chill. Chez ma mère, sur le bord du lac. Il va y avoir de la bonne musique où on peut danser, chanter, on peut aller se baigner, marcher dans le bois. Écoute, tout nu, si t'as envie d'être tout nu, garde-toi. Qui partage ta table? Il va y avoir beaucoup de monde à ma table. Je me rends compte que j'ai comme beaucoup de petits clans. Puis je pense que ce serait une super belle opportunité de mettre tous ces clans-là ensemble puis que tout le monde se rencontre. Qu'est-ce que tu bois? Ce que je bois, un thé à la menthe. La menthe, j'aime ça, j'en mets partout. Dans mes sauces à spaghettis, partout. J'aime ça. Oh! Ah, ça, c'est une belle surprise. Ah, chose sucrée réconfortante. C'est quoi le menu? On commence avec... Je me souviens pas du nom précis de cette œuvre d'art, mais c'est la soupe au maïs du Toki. Ça fait 7 ans que j'ai mangé ça et c'est encore dans ma tête. On a présenté cette soupe-là comme ayant le goût de l'expérience de l'épluchette de blé d'Inde. Première bouchée, c'était gagné. Je pense que je suis capable de manger une douzaine de blé d'Inde. J'aime tellement ça, là, puis je suis comme la dactylo, là. On continue dans le thème, on va rester dans le blé d'Inde. On y va avec du pâté chinois. Un bon pâté chinois avec du ketchup. Ben, du ketchup. Est-ce qu'il y a un ingrédient interdit de séjour à ton repas? La coriandre, c'est interdit. C'est pas juste peut-être pas, c'est interdit. Je respire un bouquet de coriandre, ça me pogne dans le cerveau, puis ça me donne des chocs. Fait que croquer dedans, puis en plus parce que ça reste pogné dans les dents, fait que ça coûte longtemps. Tu vas te bourrer à face dans quel dessert? Toujours bien mieux. C'est ça. Comme ma journée. Voyons, ben, je reprends ça. Tarte aux œufs chinoise. Ça, j'ai 2 ans et demi. Peut-être pas 2 ans et demi, là, mais un bon 7 ans, les grands yeux ouverts puis le sourire jusqu'ici. As-tu un plat plaisir coupable? Les chips au vinaigre avec une bière d'épinette. Bon, quand j'étais jeune, il y avait la Kiri. J'avoue que. Je vais attendre. L'arme de feu. C'est vrai? Dernier repas pour vrai. J'avoue, les chips, sel et vinaigre, le crunch, le salé, le vinaigré. Oh my God! Oh! Ça m'en prend pas gros pour me rendre heureuse. Oh my God! Y a-t-il moyen d'en avoir d'autres? Merci à vous tous pour votre présence et ces beaux moments qu'on a partagés ensemble. Une comédienne! Thank you.